coup, on va passer donc aux questions et je vais vous demander de vous présenter avant de poser vos questions. Qui se lance ? Je ne sais pas si c'est si fondamentalement différent. Vous parlez de quoi précisément ? Parce que si vous parlez du système universitaire, là je ne suis pas obligatoirement extrêmement compétent là-dessus, il faudrait demander à un spécialiste, à un physicien ou à un médecin qui pourrait vous parler des études de médecine, qui pourrait parler de l'EFL ou l'EPFL ou l'EPFZ, là je ne suis pas très au point. Si vous parlez des entreprises, là je peux avoir des réponses plutôt. Dans les entreprises, il y a deux caractéristiques différentes. La première, effectivement, c'est que comme dans le système allemand, on a beaucoup plus de formation dans l'entreprise et d'apprentissage dans l'entreprise que d'études qui est dispensée par le système universitaire. Hein. Et on a, c'est une caractéristique française, et bien si je fais l'histoire des ingénieurs, j'ai parlé tout à l'heure des ingénieurs civils de France, pourquoi dit-on qu'ils sont civils ? Et bien c'est parce qu'ils se distinguent des militaires. C'est parce qu'un ingénieur, avant, c'est des ingénieurs qui sont formés par les grandes écoles des corps de l'État, qui datent du XVIIIe siècle, hein, qui sont les ponts et chaussées, les mines, par exemple, et qui sont des militaires. Et qui vont travailler au service de l'État, ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts. Donc, dans la foulée, le système universitaire français qui va être amené à gérer la technique est fondé sur des connaissances abstraites, sur des mathématiques. Comme Polytechnique est passé finalement à côté de ce créneau en donnant une formation très abstraite. On fonde l'école centrale en 1829 avec une direction qui est composée moitié d'industriels et moitié de savants. Mais centrale, pour ne pas être dévalorisée, va imiter Polytechnique. Donc finalement, il n'y a pas de formation de la technique. Et puis, il y a les écoles d'armée des métiers qui, elles, doivent former les contremaîtres. Et il y a tout un bloc entre les deux qui n'existe pas, avec une habitude, donc, des ingénieurs, même civils, d'aller finalement au service de l'État. Les ingénieurs, ils vont aller dans les compagnies de chemin de fer, et puis ils vont pantoufler, parce que ben, c'est beaucoup plus valorisant. C'est beaucoup plus valorisant être un ingénieur de production dans une mine, dans une entreprise sidérurgique. C'est pas très valorisant. Donc, il y a cette déficience en France qui n'a pas existé en Suisse et en Allemagne, où on a tout de suite valorisé la formation ingénieur avec des écoles, des hautes écoles de technique. Et finalement, bon, le Polytechnique de Zurich et puis de Lausanne après, ça copie Polytechnique sauf l'aspect militaire. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, fin 19e siècle, les ingénieurs sont docteurs, doctor ingénieur, et ça c'est docteur, c'est très important pour les Allemands, alors qu'en France, c'est pas du tout le même niveau intellectuel, disons, ça n'a pas la même réputation dans la société. Donc je pense que c'est ça qui se trouve au fond des choses, et qui explique aussi la formation maison, et qui a été, je pense, favorisé par le fait que la Suisse, bon, vous le savez, a développé l'horlogerie, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais aussi dans l'entre-deux-guerres, a développé la micromécanique, et tout le Jura, à partir de l'horlogerie, a développé la micromécanique,
dont, bon, les machines à écrire, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, on est toujours dans de la micromécanique, dans des composants pour le spatial, des choses extrêmement précises sur lesquelles ils ont un monopole. Et donc, il y a toute une recherche technologique qui est dans cette foulée-là, alors qu'en France, elle a été très liée à l'État, comme vous le savez. Je parlais du Kaiser Wilhelm tout à l'heure, de 1904 au 1906. Eh bien, la France, elle est décalée d'une guerre, puisque c'est 1939 qu'on a fondé le CNRS, et c'est pas un hasard si c'était 1939, vous vous en doutez. D'autres questions Oui, Sylvain Lavelle, j'interviens tout à l'heure sur le thème de la recherche et l'innovation. J'avais deux questions, en fait. Une première qui concerne le thème qui est assez couru aujourd'hui, certainement, parmi les historiens, de l'accélération de l'histoire. Et du coup, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue d'historien de la révolution industrielle sur l'éventuel phénomène d'accélération que nous connaîtrions en termes d'invention ou d'innovation dans le contexte actuel. Peut-être que si on se réfère à la perspective qui est la vôtre, c'est-à-dire finalement une perspective qui met en avant une certaine permanence aussi des structures, il faudrait relativiser ce phénomène d'accélération que nous connaîtrions aujourd'hui. Et j'aurais une deuxième question dans la foulée de celle-là qui concerne le fameux concept de troisième révolution industrielle aujourd'hui, certains pourraient dire la quatrième d'ailleurs aussi, qui est notamment porté dans son modèle un peu canonique par Jeremy Rifkin et qui est officiellement adopté par l'Union européenne aujourd'hui. Bon, voilà. Et du coup, est-ce que vous pourriez, enfin, si votre regard d'historien un peu distancié, vous aboutirez à quel jugement sur cette troisième révolution industrielle où les nouvelles technologies de l'information et de la communication, couplées avec de nouveaux types d'habitat, producteurs d'énergie, seraient la recette miracle, en quelque sorte, pour le changement. D'accord. Donc, première question. L'accélération de l'histoire. Bon, c'est un fait que... alors, mesurer le progrès technique, je ne sais pas. Certains s'y sont essayés. Tout le monde parle de l'américain Schmuckler qui a compté les brevets. Mais finalement, ça ne veut rien dire. Parce que compter les brevets, il y a du n'importe quoi dans les brevets. Il y a des trucs complètement absurdes. Il y a des sociétés, je travaillais sur les actes de société parisiens au milieu du 19e siècle, il y a des sociétés fondées pour développer le mouvement perpétuel. Il y a de tout. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on dépose un brevet que le brevet de Watt de la machine à vapeur, c'est pas la même chose que celui qui touche à la fabrication des manches de parapluie. Donc, ça ne veut rien dire. Et par ailleurs, ne pas déposer le brevet, ça ne veut pas dire qu'on est inventif. Les sociétés pharmaceutiques et chimiques suisses de l'entre-deux-guerres ne déposent pas un brevet. Étrange. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont le choix, surtout de ne pas déposer de brevets, mais de garder le secret et de mettre ça dans un coffre-fort, parce que déposer un brevet, c'est donner une publicité, et il y a toujours un petit malin qui va copier l'idée, mais en modifiant les petites choses, et dire c'est complètement différent. Donc, ça ne veut rien dire, finalement. Et puis, ça dépend de la législation des brevets. Donc, on pourrait dire, on va compter les brevets importants. On enlève tout ce qui n'est pas important. Mais comment faire le tri ? Donc c'est impossible. Ce qu'on peut dire, pour répondre à votre question, c'est qu'il y a une accélération du temps, du cycle de vie des produits, et du temps entre invention et innovation. Hein ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, entre invention et innovation, la machine à vapeur, bon, ça va servir au chemin de fer. Newcomen 1702, mais c'est une machine qui a une rentabilité, un rendement absolument infime. On l'utilise dans les mines de charbon parce qu'il y a des mauvais charbons invendables et on la met dans la machine. Donc ça n'a aucune importance si ça consomme des quantités faramineuses pour un rendement très faible. Watts, 80 ans après, ça devient plus exploitable. La locomotive, c'est 40 ans après. La généralisation dans l'industrie, c'est presque un siècle après. Bon, très long. La télévision, la technologie est mise au point dans les années 30. Ça se généralise, eh bien, en France, par exemple,
au tournant des années 50-60. Bon, aujourd'hui, alors j'aurais pu revenir en arrière, le moulin à eau, il y a quand même, on parle de la révolution du Moyen-Âge, c'est pas vraiment des inventions tellement nouvelles, mais c'est une généralisation du moulin à eau, bien connue dans l'Antiquité, mais qu'on n'utilisait finalement pas. Et on va l'utiliser de manière productive, de manière très importante, à partir entre le 11e et le 13e siècle. Donc là, vous avez des siècles entre la mise au point de la machine et son utilisation. Aujourd'hui, ça peut aller extrêmement vite. Donc en ce sens, il y a effectivement une accélération, et une accélération peut-être aussi de la durée de vie du produit, parce que le problème, c'est que le 19e siècle, la croissance du 19e a été tirée largement par les industries textiles, la sidérurgie et les transports, effectivement. Le 19e par l'industrie automobile, elle arrive à saturation à la fin des années 70. On dit que le modèle fordiste arrive aussi à épuisement à la fin des années 70. Donc ça expliquerait le ralentissement. Mais le ralentissement, il faut le voir à l'échelle du monde. Il y a d'autres pays qui croissent pendant ce temps-là en Asie du Sud-Est. C'est plutôt des changements de pôle de croissance à l'intérieur du monde. Bon, voilà à peu près ce que je peux dire pour le premier point. Le deuxième point que vous m'aviez dit, excusez-moi, c'était la troisième révolution industrielle. Je n'ai pas cité, pour ne pas citer de nom, Jeremy Rifkin, mais c'est à lui que je pensais dans les quelques mots que j'ai dit en préambule. J'ai travaillé avec des économistes, parce que eux aussi, qui après s'être dit que l'histoire économique, ça servait à rien, sauf que ce qu'ils savaient, eux, ça suffisait bien. Ils se sont dit, lorsqu'est arrivée la crise de 2008, n'est-ce pas, qui n'avait pas prévu. Et moi-même, j'ai commis. Les historiens ne doivent jamais. Ils doivent rester, travailler sur le passé, parce qu'ils reconstruisent un scénario qui est rationnel et qui marche sur les éléments du passé. Si un de ces éléments que la recherche montre qui ne marche pas, ils vont très rapidement fabriquer une autre histoire qui va tout mettre en cohérence. Mais quand on demande son avis sur le présent, ça ne marche pas. Moi, on m'avait interviewé à ce moment-là, puis un collègue aussi spécialiste d'histoire financière, j'en ai fait aussi. Je lui ai dit, il n'y a aucune raison que cette bulle financière aille dans l'économie réelle, je ne vois pas pourquoi, finalement, puisqu'il n'y a pas de lien. Eh bien, on s'est trompé. Et on s'est trompé pourquoi ? Parce que c'était des mécanismes largement psychologiques qui jouaient, et pas, disons, des jeux de variables économiques, de transfert d'un pays à un autre et d'un champ à un autre. Bon. Donc, oui, c'était pour dire que j'ai travaillé avec des économistes. Ces économistes, après, s'est dit que ça ne servait pas à grand-chose. Tout d'un coup, ils se sont mis à croire que s'ils connaissaient un peu d'histoire économique, tout d'un coup, ils pourraient prévoir le futur. Ce qui est parfaitement, aussi parfaitement naïf et parfaitement faux. Et donc, j'ai travaillé avec des économistes qui voulaient travailler, à partir de Rifkin, sur l'alternative, sur la révolution, bon, sur un certain nombre de thèmes, de genres. Alors, on a lu attentivement Rifkin, et à mon avis, après l'avoir lu attentivement, je n'ai pas vu de relation entre différents éléments qu'il propose, qui sont eh bien, du domaine de la technologie, des NTIC, et puis des modifications organisationnelles qu'il propose. Je n'ai pas vu le lien, on n'a pas vu le lien, mon collègue économiste non plus, en regardant précisément. Il affirme donc qu'il faut aller dans différentes directions, je ne dirais pas, je n'en sais rien, si c'est bon ou si c'est mauvais, mais ce n'est pas un système coordonné qu'il nous propose, il n'y a pas d'interrelation et pas de nécessité de passer de l'une à l'autre. Et j'ai essayé de vous montrer d'ailleurs qu'un lien entre telle technologie, telle organisation du travail, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Hein. On arrive toujours à trouver des biais au niveau de l'organisation du travail et de la technologie, et ça peut marcher en sens inverse. Comment est inventé les moteurs à combustion interne ? C'est le moteur à gaz avant d'être à pétrole, mais c'est le même. C'est une invention de Lenoir qui travaille au Conservatoire des métiers, au milieu du quartier des ateliers artisanaux parisiens, du 4e, du Sentier, et qui veut trouver un moteur commode pour ses petits ateliers. Parce que la machine à vapeur, c'est pas souple. Alors il y a des méthodes au Faubourg Saint-Antoine, il y a des rues où il y a des axes de transmission le long de la rue, et on peut brancher une courroie après avoir payé un loyer à l'entrepreneur qui gère la machine à vapeur, et on a donc de la force motrice qu'on loue, qu'on achète. Donc, vous voyez, l'organisation peut créer la technologie en sens inverse. Bon, et dernier point sur Rifkin, et ce qui me pose un peu problème aujourd'hui, c'est finalement modifier
le type d'énergie. Modifier un procédé de fabrication, sauf à modifier complètement le prix, ça ne change pas grand-chose finalement. Si on remplace toutes les automobiles à pétrole aujourd'hui par des automobiles à électriques, le service rendu est le même. On ne va pas acheter deux fois plus d'automobiles parce qu'elles sont électriques. C'est le même produit. Or, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'à chaque fois, il y a un grand produit de consommation. Parce que le particulier, il ne va pas manger ou consommer des machines à vapeur, du fer brut, des lingots de fonte. Il consomme des produits finaux. Et l'économie, son objectif, son but, c'est de fabriquer une consommation finale. Et la croissance, c'est le développement de cette consommation finale. Et finalement, l'argument de Rifkin de dire « Ah, c'est très bien, mais les énergies alternatives, ça va créer beaucoup d'emplois. » D'accord, mais si pour la même quantité d'énergie, il faut beaucoup plus de travail, c'est un recul en arrière. Il y a des méthodes, si vous voulez, pour créer de l'emploi. On peut bannir les bulldozers, on construit les routes désormais avec des pelles, des pioches et des brouettes. Ça crée beaucoup d'emplois. Bon, Oui. Ben, est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question, une dernière question ou... J'aimerais bien qu'on qu'on construise un pont sur l'infini, de revenir de néolithique au 19e. Et vous avez la chance parce que vous avez l'écrit, vous avez la photo, ou des images en tout cas. Mais je voulais poser une question à Anne, parce qu'elle a parlé ce matin des recettes, de la méthode de cuisson, etc. Mais comment sais-tu que c'était comme ça? Pourquoi tu nous dis que les ingrédients, c'est les grains, les machins, etc. On n'a plus de traces de ça. Si. À mon avis. Oui, oui. Bon, mais écoute, je vais être courte hein, parce qu'il faut qu'on aille se promener. Donc, les méthodes en archéologie pour retrouver les preuves de la cuisson. Bon, les tessons, vous avez compris. Les tessons, ils restent, ils sont et dedans. Ils tiennent, il y a des inclusions, les céramiques sont poreuses. Donc les chimistes vous disent, ah là il y a eu de la caséine qui a été cuite, il y a eu des inclusions en chimie organique. Aujourd'hui on peut analyser les graisses, on peut analyser les sucres, on peut analyser les protéines qui sont piégées dans les tessons de céramique. Donc c'est déjà une source pour savoir ce qui a été cuisiné. Au niveau des ingrédients, tout ce qui est végétal, il y a deux façons de retrouver les traces des ingrédients. C'est les végétaux, soit ils les graines en particulier et les fruits se carbonisent, dont elles sont minéralisées, ils sont à l'état de carbone, donc minéralisées, donc on a toutes les. Et la minéralisation, la carbonisation garde le squelette des céréales, dont on a des paniers entiers de blé antique, de orge antique, donc, ou de pommes fossilisées, carbonisées. L'autre façon d'avoir tous les ingrédients végétaux, c'est les pollens. La plupart des plantes pollinisent, et ça, le pollen, c'est fabuleux. C'est embêtant pour ceux qui sont allergiques au pollen, parce que le pollen est indestructible. Une fois qu'il est piégé dans une tourbière au fond d'un lac, il se conserve. Donc, on fait des carottes. Bon, moi, à Bibracte, on est à côté des sources de Lyon. On a 10 000 printemps qui sont empilés, et je connais parfaitement l'environnement de la Gauloise ou même de la Néolithique, savoir ce qu'elle avait à sa disposition. Côté ingrédients animaux, eh bien, il reste les ossements, ou les arêtes moins que les ossements, mais en général les ossements, soit dans les dépotoirs, soit dans les tombes, si c'est en région carbonatée, en région acide comme Bibracte, je n'ai pas d'os. Voilà. Donc vous avez droit de poser les questions aux deux intervenants pour les 10 dernières minutes. Alice Jaffray, CHU de Rouen. Vous avez dit que finalement, contrairement à l'idée qu'on avait, le chef d'entreprise avait peur du risque. Mais du coup, ma question, c'est finalement, il y en a quand même qui en ont pris certains pour apporter des capitaux pour les brasseurs de bière et tout ça. Et cela, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont pris, eux, le risque de le faire? Ah, c'est une bonne question, ça. Il y a eu des gens qui, effectivement, ont pu être des moteurs parce qu'ils croyaient à des choses nouvelles. C'est effectivement vrai. Ou qui se sont... Mais en général, ça ne s'est pas développé très loin. Je vous explique un peu... Je prends un peu l'histoire du chemin de fer.
Le chemin de fer, le chemin de fer bien nommé, puisque effectivement il y a deux inventions, et l'idée ça a été de les mettre ensemble. C'est des rails sur lesquels, eh bien, depuis longtemps, on faisait dans les mines circuler des godets, puisque ça limite les frottements. Donc on tirait avec des chevaux des godets de charbon, des wagonnets de charbon, sur des rails en bois et en creux en général. Et puis on a pu les faire en fer parce que c'était plus solide. Et l'idée, c'était de remplacer le cheval aussi par la machine à vapeur. Donc mettre ensemble deux inventions disjointes, ça peut créer une innovation importante, et c'est né par évidence dans les mines de charbon. Donc les premiers chemins de fer, en dehors de la mine, ça a été pour conduire le charbon de la mine jusqu'à un endroit où on pouvait le transporter économiquement, parce que le transport terrestre, en quelques dizaines de kilomètres, multiplié par deux ou par trois le prix du produit, donc c'est pas possible. Il faut transporter par bateau. C'est la seule méthode économique de transport qui existe jusqu'à la fin du 19e siècle. Et encore, le bateau, c'est toujours moins cher que le transport terrestre, bien évidemment. Or, les mines de charbon ne sont pas au bord des grandes rivières, bien sûr, sans ça, ça poserait des problèmes. Et ça a posé des problèmes qui sont l'inondation de toute façon des mines, donc des problèmes d'exor, d'épuisement, et c'est pour ça que les machines à vapeur sont utiles, c'est pour épuiser l'eau. Bon, donc il faut de toute façon faire quelques dizaines de kilomètres pour aller, eh bien, en France, par exemple des mines du centre, à la Saône ou au Rhône. Bon, donc, eh bien, des ingénieurs ont eu cette idée astucieuse, importante, en disant on peut tirer par des chevaux, mais on va le faire avec des locomotives, pourquoi pas, puisqu'on utilise à l'intérieur de l'usine. Et puis, il y a des gens un peu visionnaires qui se sont dit, et là je pense aux frères Perrère, qui ont été journalistes, qui ont été des protégés des Rothschild d'ailleurs, qui ont travaillé pour eux, et puis qui se sont dit, le chemin de fer, ça va révolutionner le monde, et les hommes du 19e siècle croyaient au progrès, pour eux, le progrès scientifique allait conduire au progrès de l'humanité, conduisait au progrès moral, et dans la lignée du 18e siècle, il croyait, il disait très clairement, quand il y aura des chemins de fer qui liront les peuples, ils se connaîtront, donc évidemment il n'y aura plus de guerre, puisque ça repose sur des malentendus et le fait qu'on ne connaît pas l'autre. Bon, il croyait à quelque chose, mais il savait qu'aucun financier ne sera assez fou pour lancer beaucoup de capitaux dans une opération de ce genre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on a fait la même chose dans tous les pays, ce qui prouve qu'il n'y a pas que les Français. On a fait la même chose en Russie, on a fait la même chose partout. On a construit une petite ligne de chemin de fer, non pas à côté d'une mine de charbon, mais à côté de la capitale, Paris-Saint-Germain, Saint-Pétersbourg-Tsarskoïe-Selo, Nuremberg-Fürth. Pourquoi? Eh bien, pour prouver que ça marche, pour prouver que ça peut être utile, pour prouver que ça va générer des transports de voyageurs. Ce qui, personne n'y croyait. Thiers avait dit, c'est un jouet pour les Parisiens, ça va les amuser 6 mois, et puis après on n'en parlera plus. Mais effectivement, tous les Parisiens ont voulu tenir à faire le voyage plusieurs fois, après l'inauguration. À l'inauguration, d'ailleurs, c'est assez amusant, on ne sait jamais, on avait mis la reine et puis une partie de la cour dans le train, mais pour... En cas d'accident, pour ne pas créer de vacances du pouvoir, le roi était allé par la route. Il faut faire attention quand même. Bon, mais il faut dire qu'il y a eu des accidents graves parce qu'on verrouillait les portes et quand il y en a qui ont. Il est arrivé que ça prenne feu et le grand navigateur Dumont d'Urville est mort comme ça dans un wagon en bois en feu. Bon. Donc, eh bien, on a vu que ça marchait, puis les gens se sont enthousiasmés là-dessus. Donc, des gens sérieux, les Rothschild ou autres, se sont dit, bah, on va essayer, effectivement, de lancer les Rothschild, eh bien, Paris-Lille. Paris-Lille avec débouché sur la Belgique. On va voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. Donc, vous voyez, finalement, qu'il peut y avoir des gens qui ont des idées, mais les gens qui gèrent de gros capitaux, les gens importants, en général, ils n'aiment pas du tout le risque, ou ils aiment plutôt le risque contrôlé. Parce qu'on parle des Rothschild, fin 19e siècle, les Rothschild financent des start-up en se disant, par exemple dans le pétrole, et en se disant, peut-être qu'on va perdre la mise, mais ça peut aussi peut-être déboucher sur des choses qui nous feront gagner beaucoup d'argent. Donc là, on est dans un risque contrôlé, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il faut dire que
chaque fois qu'on a fait des devis sur des choses importantes et nouvelles, ça a toujours été extraordinairement dépassé. Il n'y a pas que le tunnel sous la Manche. Toutes les constructions de chemin de fer, ça a dépassé complètement, totalement les devis. Il a fallu multiplier. Et il y a effectivement une crise 1847-48, c'est une grosse crise des chemins de fer. Tout est arrêté parce que, eh ben, il n'y a plus d'argent et il faut recapitaliser tout. Les devis sont largement dépassés. Donc effectivement, c'est toujours il y a toujours un risque très grand. Et on comprend les problèmes de, encore une minute, un problème de réadaptation, de reconversion. Pourquoi est-ce que les Allemands deviennent très bons dans la chimie de synthèse? C'est parce qu'ils n'ont pas de chimie avant. Et ils démarrent juste à ce moment-là, dans les années 1850-60. En France, en Angleterre, on a toute une industrie chimique très importante, fondée sur la filière sulfurique, et c'est-à-dire sur ce qui est important à l'époque, le blanchiment des tissus, avec donc des produits à partir de la soude. Donc la chimie minérale, et à ce moment-là, on invente un nouveau procédé pour fabriquer la soude, qui est le procédé belge Solvay, mais qui est fondamentalement différent. Bien meilleur, mais fondamentalement différent. Eh bien, les chimistes français et anglais, ils regardent à deux fois. Ils se disent qu'il faut changer complètement même de localisation nos installations. Ça va, c'est peut-être mieux, mais ça va coûter très cher. Ce qu'on fait, nous, déjà, on améliore notre procédé. Donc pendant un bout de temps, ils vont améliorer, ils vont y arriver, puis à un moment, ils voient bien qu'ils sont dans le mur, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc à ce moment-là, leur filière est morte d'une certaine façon, alors que ceux qui ont développé sur le nouveau procédé, comme les Allemands, ont pris leur place et sont capables de développer les nouvelles technologies. Voyez bien donc que l'entrepreneur est plutôt un animal peureux qu'un animal audacieux. Mais écoute, le monde, je ne parle pas pour aujourd'hui. Nous avons une minute, la dernière question. Oui, une question. Alors, vous avez évoqué le rôle de la figure de l'entrepreneur qui accepte de prendre des risques, qui est un peu le héros de la révolution schumpeterienne. Vous avez assez peu parlé du rôle de l'État. La question que je voulais vous poser, alors qu'il s'adresse aux deux intervenants, c'est Anne Auvergeon a présenté il y a quelques mois un rapport qui s'intitule Innovation 2030. Oui, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce rapport peut effectivement orienter l'innovation en France, ou est-ce que c'est un exercice vain? Je pense. Vous avez une minute pour répondre. Une minute. Donc je vais faire un haïku. État, innovation. Bon, point. Je ne tranche pas sur le présent. C'est pas mon problème et je me trompe toujours quand je dis quelque chose de ce genre. Même si en général, je lis pour des bonnes raisons. J'avais prédit que l'Allemagne ne se réunifierait jamais aux étudiants parce qu'économiquement, c'est absurde. C'est absurde, ça coûterait une fortune. Ça a coûté une fortune, mais ça s'est fait. Bon. Il y a eu une génération perdue en Allemagne de l'Est et c'est même dit a été cyniquement par des responsables politiques. Il y a une génération de 30 ans de perdu en Allemagne de l'Est comme conséquence. Bon. Donc je parle exclusivement du passé. L'État, j'ai un peu amorcé rapport à l'innovation. Bon, c'est un acteur majeur et ça a toujours été un acteur majeur. Je pourrais traiter la chose du 18e siècle à aujourd'hui. Et effectivement, l'État est le seul qui peut prendre des risques, il n'hésite pas à prendre des risques, dans un contexte tout différent, dans une autre époque historique, lorsque j'étais étudiant, parce qu'aujourd'hui nous sommes une période de consensus libéral, à cette époque-là on était une période de consensus social-démocrate, c'est pourquoi je date d'un autre âge, n'est-ce pas? On apprenait sur les bancs de la faculté en économie, on apprenait que l'État était beaucoup plus innovateur. Regardez la SNCF, regardez le TGV, regardez un certain nombre de choses, parce que effectivement, l'État n'est pas contraint par des objectifs de rentabilité à court terme, et encore à cette époque-là, on n'était pas dans une domination des actionnaires, on était beaucoup, largement dans des patrons techniciens, des patrons polytechniciens, c'était eux qui occupaient toutes les places, et qui étaient des gens qui avaient l'idée de la croissance, qui voulaient, c'était que la production augmente. Ils voulaient faire de la croissance. Le problème de gagner des sous, ce n'était pas
fondamentale dans l'histoire, mais il ne fallait pas en perdre non plus. Or, l'État, nous y disait-on, n'a pas cette contrainte, et effectivement, l'État peut fonctionner sur des grands projets de croissance, les projets des champions nationaux, par exemple, qu'il y a eu dans les années 60-70 avec Pompidou, sans contrainte financière. Donc c'est évidemment un agent majeur, et si on compte toutes les retombées finalement de ce qui a été financé par l'État, dans votre automobile, il y a plein de choses qui viennent du spatial et qui n'auraient jamais été mis au point si ce n'était pas l'État qui l'avait financé, bien évidemment, et les militaires. Moi, l'État... allez, au néolithique, il commence. Hein, il commence à y avoir des concentrations, mais je ne sais pas s'il est toujours moteur. Mais les riches, les aristocrates, ceux qui ont la finance, en effet, sont initiateurs de choses qui dépassent le quotidien. Ça, c'est clair. Si j'ai compris, le vrai héros de la révolution néolithique, c'est la Oui, je fais un amalgame entre ma gauloise de 2000 ans après, mais bon, non, au niveau de l'État, je ne sais pas répondre, mais je sais que la hiérarchie s'installe au néolithique et qu'en effet, les puissants et ceux qui ont l'argent seront moteurs de pas mal de choses. Merci beaucoup. Bernard et Bertrand, à toi. Eh bien, merci à vous deux pour la qualité de ces travaux. Voilà. Donc moi j'ai des forces esquis pour ceux qui l'ont commandé, ainsi que les bons des déjeuners pour ceux qui l'ont commandé en dehors de l'hôtel. Vous avez trois possibilités, donc un petit restaurant.